Ah bonjour, on est au Square Saint-Louis. Il y en a qui parlent plutôt de Carré Saint-Louis, mais de toute façon, on est à Montréal et on va faire une intervention publique pour parler, pour jouer surtout au jeu 55 qui compte. Qu'est-ce que le jeu 55 qui compte? Ça, c'est une grosse question. En fait, le jeu 55 qui compte, comme on voit ici, le petit stand, c'est un jeu où il y a 55 images projectives qui se retrouvent sur des cartons et on en pige une seule. Et après, on raconte une histoire. Alors, il faudrait que je trouve quelqu'un qui pourrait nous conter une petite histoire. On ne sait pas. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui veut jouer à 55 secondes. Ah! Oh, bonjour, monsieur! Comment ça va? Ça va. Alors, vous la montrez? Oh, elle est belle! Et juste comme ça, en passant, qu'est-ce que vous voyez? Avant de raconter votre histoire, vous voyez quelque chose quand même. Je vois le squelette d'un dinosaure, c'est dans les musées, là, vraiment les côtes, là, comme de dessus, là, vue de dessus. OK. Le squelette des dinosaures. Alors, mettons qu'on dit, à partir du squelette des dinosaures, on fait une histoire. Il OK. était une fois. Là, vous comptez une histoire. Il était une fois un petit garçon qui adorait les dinosaures. Il s'est inscrit à des revues pour construire son propre dinosaure. Il y a des revues avec des squelettes en bois. OK. Donc, à chaque jour, il prend sa revue, il rajoute un morceau à son dinosaure, puis il devient de plus en plus content. Il a de plus en plus hâte que son squelette se finisse parce qu'il commence à prendre forme, il OK. commence à prendre vie. Alors, le jeu 55 qui compte, c'est un jeu où on stimule son imagination. Pourquoi qu'on stimule son imagination? On peut stimuler son imagination avec un objectif très précis. Par exemple, c'est parce qu'on veut communiquer avec quelqu'un qui a de la difficulté à parler ou à s'exprimer. Mais on peut aussi stimuler son imagination juste parce qu'on a le goût de raconter des histoires, être ensemble. Puis même, des fois, ça peut être très, très, très drôle de raconter des histoires à partir d'images abstraites. Il faut raconter une image, une histoire à partir d'images. Exact, c'est ça. Mon Dieu, il faut travailler là. Oui, c'est ça. Mais rapidement, par exemple. Ouais, Alors, vous pigez une image. N'importe. N'importe, oui. Donc, celle-ci, vous me la montrez. D'accord. Vous la reconnaissez dans l'interface? Vous avez 3 secondes pour la retrouver. Un, deux, Non, trois, mais je... C'est une quatre, stèle. Ah, ok. Non. Non, À chaque fois, je me dis que c'est ça. cinq, six. C'est pas si facile que ça, hein? Ah. Oui, voilà, 6 secondes. Bon, alors, là, à partir de là, vous regardez votre image, puis à partir des couleurs et des formes, vous racontez une histoire, genre, il était une fois. D'accord. Alors, il était une fois quoi? Mon Dieu. il était une fois un arbre. Un arbre. Un arbre. OK. Ouais, déjà, grammaire française. C'est un arbre féminin. C'est un arbre féminin. Un arbre. Et qu'est-ce qu'il fait? Qui Oui. poussait. OK. Et après ça, il y a quelqu'un qui est venu le couper. Enfin, c'est l'arbre qui est coupé et qui est replacé OK. dans la nature. Et c'est quelqu'un qui vient replacer l'arbre et qui coupe l'arbre pour faire une différente forme de l'environnement. C'est comme un... Une innovation dans de la nature. Ah, OK. Comme un sculpteur, quoi? C'est ça, c'est un sculpteur. Ah, c'est un Il est sculpteur. en train de changer le paysage à travers de ce qui existe, mais en le détruisant pour recréer. C'est comme le land art que j'ai engagé, comme ça, quoi? Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, ici, tu as le même groupe. Est-ce que tu es capable de le retrouver dans le cercle, ce groupe-ci, par exemple? Dans le cercle de l'auto? Dans le cercle, le tour, oui, c'est ça. Est-ce que tu es capable? Ici. Voilà. Là, maintenant, on y va un petit peu plus compliqué. Est-ce que tu es capable de retrouver le même groupe 2 fois dans le carré? C'est parti. Un, Ici. deux, Et trois, ici. 4 secondes! Fantastique! Vraiment, t'es bon, François! Merci! Oui, parce qu'en fait, t'es très concentré, là. Je le vois tout de suite, là. OK. Mais voilà. Alors, le jeu 55 compte, comme ça, il y a des petits tests, des tests de mémoire OK. spatiale, des tests de mémoire de reconnaissance visuelle. Comme par exemple, pour toi, cette image-ci, quelle couleur a le carton? Quelles sont les couleurs du carton? Ça regarde, mais c'est... D'après toi? Ben, il y a beaucoup le rouge. OK. L'endos, ça, ou le devant? Ben, toute cette OK, il y a image-là, beaucoup là, le bas, le... c'est un peu Il y le a beaucoup le noir-blanc. rouge, il y a le mauve, beaucoup aussi.
OK. Mauve, bleu, c'est pas mal les couleurs qui ressortent. Là. Rose, des couleurs assez chaudes, en fait, des couleurs assez... Ouais. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui vivent des difficultés de parcours, qui ont de la difficulté même à en parler, qui ont de la difficulté à partager leurs problèmes ou leurs problématiques. Et à l'intérieur d'un jeu, il arrive très souvent que les gens racontent des histoires, et ces histoires, c'est des histoires qui sont directement reliées avec leur vécu. Oh, en un instant! Bonjour, monsieur! Voulez-vous venir ici? Voulez-vous venir jouer avec le jeu 55 icônes? Mm-hmm. Oui? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous connaissez ça? J'ai déjà entendu parler de ça. Oui? De quelle façon? Des amis m'ont parlé de ça. OK. Alors, je vais vous expliquer que, juste pour vous rafraîchir la mémoire, advenant le cas où vos amis l'ont peut-être pas expliqué totalement d'une façon, disons, facile, parfaite, etc. Mm-hmm. Le jeu 55 icônes, c'est un jeu où il y a une interface avec 55 images abstraites. Les images abstraites, à quoi ça sert? C'est des images abstraites qui permettent de faire de la projection. Qu'est-ce que c'est de la projection? Quand vous regardez une image abstraite, vous vous demandez c'est quoi? Vous essayez de stimuler votre imagination, vous me dites qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Et si vous voyez quelque chose, inévitablement, vous faites de la projection. Et cette projection-là, c'est ce qui nous intéresse avec vous, à savoir quel genre de projection vous allez faire à partir des images abstraites. On essaye? On fait un test? D'accord. Puis j'ai une image au hasard. Vous la retournez, vous me la montrez. Oh là là, OK. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? On commence comme ça. Ben évidemment, le début d'une forme géométrique, là... qui ressemble à un parallélogramme. En fait, savez-vous ce que ça évoque en moi, là, tout de suite, comme ça, là? Allez-y. C'est le bouclier d'un chevalier de croisade. OK, alors, mettons qu'on garde ça en mémoire. Le bouclier de chevalier en croisade. Voilà. Alors là, on fait une histoire. Il était une fois... Il était une fois un chevalier du Moyen Âge, en fait, engagé dans les fameuses croisades dont on a tous entendu parler. Qui devait affronter et être confronté à l'obscurité de l'époque, à cette noirceur idéologique qui régnait à ce moment-là. Évidemment, lui, son bouclier d'or, comme ça, représentait la lumière. Il était un défenseur de la vérité et de la lumière, qui éventuellement allait se colmater avec le mensonge et tout ce qui était obscur dans l'esprit des gens. Alors, dans l'esprit de Lancelot du Lac, c'était un chevalier de cette trempe. Rien ne lui avait jamais résisté. On le choisissait pour affronter les pires ennemis, si bien qu'il avait une réputation de guerrier inatteignable, presque inattaquable. Alors là, il s'est passé quelque chose et l'histoire... se termine bientôt. Et là, il a rencontré une belle princesse. Oh! Et j'imagine que son bouclier ne lui servait absolument rien. Ah, en plein ça. Il a même fallu qu'il mette... qu'il balance derrière. Parce que là, c'était plus question de te protéger pantoute. Alors, c'est à partir de ce moment-là, pour finir d'une façon peu originale, ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Il y a beaucoup qui me disent, ben, quand je joue avec mon monde imaginaire, je ne sais pas pourquoi qu'on fait ça ou c'est qu'on s'en va avec ça. Effectivement, on peut jouer avec son monde imaginaire, compter toutes sortes d'histoires, puis bon, ça va nulle part, ou en tout cas, on peut juste s'amuser à le faire. Puis effectivement, ça peut être très drôle de le faire. Mais plus on s'en va à l'intérieur de notre monde imaginaire, plus on s'aperçoit que dans notre monde imaginaire, il y a toute une organisation, une structure de sens. Et c'est un peu cette idée-là. Quand on joue avec le jeu 55 icônes, qu'on essaie d'avoir accès ou en fait de mieux comprendre comment ça se fait qu'on a mis telle composante avec telle composante juste en voyant une petite couleur, une petite forme ou deux petites couleurs. Alors, c'est très intéressant de s'apercevoir que plus on fait l'exercice avec les 55 images, parce qu'il y en a 55, donc à partir de là, chacune des images t'amène à avoir accès à ton monde imaginaire, puis à un moment donné, on s'aperçoit, en fait, que même la même image, la première fois, on imagine quelque chose, la deuxième fois, on en voit d'autres choses, la troisième fois, oh mon Dieu, et puis comme ça, 5, 6 ou 10 fois. Alors,
En plus d'avoir 55 images, il y a plusieurs interprétations qu'on peut faire à partir de chacune des images. Et de plus, pour encore améliorer ou complexifier l'exercice, on peut utiliser deux images ou trois images. Et à partir des images qu'on utilise, et là, on rentre complètement dans notre monde imaginaire et à partir de là, on regarde comment ça se fait que cette image-là peut avoir cette relation avec cette image-là, avec cette image-là. Et tous ces exercices d'imagination nous permettent de mieux comprendre comment ce que notre processus imaginatif fonctionne, et de un, et de deux, de quelle façon on peut faire des liens avec notre processus imaginatif, notre dimension psychologique, possiblement même notre organisation psychique, celle qui fait du sens pour nous.